Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une nouvelle activité. Donc là il s'agit de comprendre une histoire et de pouvoir reconstituer l'histoire en plaçant des images dans l'ordre. Donc vous voyez, on a les cases, ici c'est 1, 2, 3, 4 étapes. Donc je vous montre un petit exemple qu'on va mettre en pratique tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est des images assez simples, assez expressives, où on voit tout de suite, effectivement, l'action qui est en train de se produire. Donc, vous voyez, on a une petite pile en réserve, on en fait progresser chaque semaine, et je vous montre tout de suite ce que donne la mise en pratique. Voilà, donc on commence par l'histoire du pêcheur qui s'en va. De nuit, il pousse son bateau dans la mer, il va pêcher dans la mer toute la nuit, il ramène du poisson plein son bateau et il les met dans une boîte pour aller au marché. Alors, vas-y. Il s'en va la nuit pour pêcher. Oui, très bien. Il pêche toute la nuit. Deux. Il pêche toute la nuit. C'est très bien. Ensuite, il ramène du poisson plein le bateau. C'est très très bien. Et les met dans une boîte pour aller les vendre au marché. Très bien. Maintenant, on va faire l'histoire de la fleur qui pousse. Alors, au début, on n'a que de la terre et des racines. Et puis, il y a toutes petites feuilles qui sortent. Ensuite, des plus grandes feuilles et à la fin, on a les feuilles et la fleur. Alors, vas-y, reconstitue-moi l'histoire. Au début, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est bien. On a juste la terre et les racines. Et puis, oui, il y a une toute petite feuille qui sort. Et ensuite, oui, une feuille. Et à la fin, on voit les feuilles et la fleur. Très bien. Bravo, mon cœur. C'est bien, t'as reconstitué toute l'histoire. Bravo, on dit au revoir à bientôt. Au revoir.